Tatouage de la Saint-Martin. Oh! Oh! Qu'est-ce que t'as encore drop? T'es pas prêt! T'es tellement pas prêt! Noctis. Oui. Sur zone, Ça va attention! chier. Ça va chier du doigt dans le cul. Oui! T'es prêt? Oui. Non. C'est pas possible. Je vais vous mettre des doigts dans le cul, les mecs, avec un barrette comme ça, calibre 50. Oh Je savais pas que ça non. existait. J'ai putain de Bowman. Poman du cul. Je vais me mettre des doigts dans le cul. Des talibans péruviens. Yalla! C'est marrant parce que du coup elle a la voix de toi, enfin, la voix féminine de l'escouade, tu vois. Le monde est un biscuit. Ne tue pas le mec au doigt! T'as failli écraser ce. Oh! Des trick shots! T'as failli. Mais what? C'était. Ça a été tellement. Je sais pas du tout! Ça a été tellement smooth, genre. Whoop là, je suis professionnel. Quoi? Ah! Je pense que ça avait déjà explosé, putain. Et non. C'est quoi ce bruit de tambour là? Putain, j'en ai aucune idée. Tu l'entends aussi? Ouais. C'est cactus? Non, c'est ça. C'est ce machin là. C'est à cause du. C'est le cactus qui tape contre ça, on dirait. T'es rentré dans la boîte! Charge posée et amorcée. Ah! La charge est amorcée. Quoi? Oh. Charge posée et amorcée. Ils arrivent! Oh putain de merde! Oh! T'as vu ça? Il était sous le sol? Ah non, il pas était chez sous le sol et d'un coup il est remonté comme s'il flottait. Mais non! Mais quel jeu! Allez, ils sont là! Ah ouais! Oui? Ils étaient à côté! C'est pas exactement. Oh non! Mais non! Oh. C'est pas exactement ce à quoi je pensais à la base pour déclencher la ligne explosive, mais bon, ça marche aussi. Okay, go. Ah, j'ai oublié que c'était dégueulasse la vue en. Martilleur. Tu veux d'être. Non, ça va. Ah, je regrette! Je regrette! Ça passe, ça passe, ça passe. Oh, mais c'est des champs, c'est des prés! Il y a des cochons, il y a des vaches, il y a des. Ah! Ah! Ah non, t'es chez les chèvres maintenant! Quoi? Vous êtes rodés, ça y est. Ça fait tellement longtemps. Putain, moi je vais encore prendre tout dans le cul. Seulement. Mais non. Ah! Mais là, il y a un tuto parachutage à la fin du jeu! Après qu'Ashenka s'est écrasé 17 fois. Trop bien. Elle reste. Il reste. Mais pourquoi? Donc, Tissi, il est pas mort. Il est juste tombé, il a fait une roulade. Il est en bas de la falaise. Mais oui! Et HNK n'a pas été assez loin, du coup il est pas dans la base. C'est ton nouveau? Oui! Trompé de touche. On va pouvoir recommencer de toute façon. Non! Mec, on est pas repéré. Mec, on est pas repéré aussi agréable que ça paraisse pendant que Noctis est en train de galérer. On est pas repéré. Ouais, enfin, tout le monde est pas capable de piloter ça. Non! J'ai repéré un autre ennemi. Non! T'es en train de dire, tu sais même pas conduire un B-42! T'es vraiment. Eh, hey, il est invisible! Du camouflage réactif? Ça oh putain, j'en veux. C'est juste un prototype de Skelltec. On m'a demandé ah de ouais. tester sur le tas. T'as me foutait de sa gueule, moi, mais ça. Un jour, peut-être. C'est un ghost. C'est un ghost, un Wii Boy. Je vais désactiver le courant. Sérieusement, t'es le pire ghost que j'ai jamais vu. Ah, pardon. T'as fait quoi? Non, je crois que c'est toi en désactivant le courant, tu les alertes en fait.
Bah non. Il se demande quoi. Non, c'est moi, je pense. En fait, en vrai, il y avait un mec, il est passé, il a traversé deux tentes, mais en mode je suis un fantôme. Il y a des gars qui se sont envolés, je me suis retourné, j'ai vu le mec, j'ai fait ah. Et voilà, c'était fini. Et donc, Cyril, qui est tout seul dans son coin, qui alerte un gars paumé dans la pampa, ça a fait échouer la mission. À chaque gars qui lance une grenade au milieu et qu'on a tué quatre gars en urgence, ça a fait échouer, c'est trop bien. Mais non. Ah. Ils sont respawn, ils en respawn tous. Va falloir me parler autrement. On va pas être. Ah, il y a des Russes. Je vais vous dire le code. Je vais vous dire le code. Oh, l'accent raciste, et en plus, il a la bouche de Mamadou Sekou. Quoi? N'est pas la peine de le secouer comme Mamadou ça. Mamadou Sekou, quoi. Voulait. Toi, occupe-toi de nous faire monter dans l'hélico. La prochaine fois, tire une fusée, ça ira plus vite. Quoi? Mais de qui? De quoi? Guerre des factions, qui a appelé? Qui a appelé? Quoi? Mais c'est quoi ce délire? Mais on avait le code? Ah! On avait le code! Et genre, il y a un rebelle, il s'est ramené, il a trigger un policier, qui a trigger toute la base. Non, vous avez appelé. J'ai rien appelé, moi, j'étais derrière toi. Moi non plus. Mais... J'adore ce jeu. Mais Nick. Mais... Non. Non, là, ils sont en train de repasser. La balle va traverser et on va l'avoir dans le cul. L'hélicoptère va faire un salto derrière, il va exploser, c'est bon. Ouais, voilà. On connaît la chanson. Classique Ubi shit, quoi. Avec le vent de la balle, voilà. Marcel, t'es plus à Marcel dessus, là. Mais oui, mais... Ça y est, on est mort. Oh, c'est bon, il a touché le sol. Plus bas. On va mourir. Plus bas. Tu me dis stop, hein. C'est bon là, stop. Parce que là je suis au clavier souris, d'habitude je suis à la main. Ah 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 ah. Vous avez vu le film Jumanji? Non. C'était la gueule du mec parce qu'il savait pas conduire un hélicoptère. Et en fait finalement on est là. Vous avez vu le nez? Vous avez le nez? J'ai tendu la pelouse là. Oui. Putain. Mais il est incontrôlable. Mais pourquoi est-ce qu'il est si pointu? Enfin, ça se fait qu'il est aussi bas. C'est avec le plutonium qu'on a à l'arrière, je savais même pas qu'on devait voler du plutonium, mec. Ah putain, on a la vertical, mec. Arrête. Coronavirus. Putain, non. Et dinosaure aussi. Je connais ce canyon, comme. Ah mais mec, c'est impossible. En fait, si je reste comme ça aussi droit, je suis plus difficile à toucher techniquement. Ah, mais non, fais mais c'est gaffe, mec, une base. Putain, y'a le. Ouais, mais attends, le truc il pèse. Déjà, il pèse 10 tonnes, et là, il en pèse 12 000 maintenant. Excellent. Mettez-vous du même côté, limite. Ok. Très bien, les gars. J'en ai un à droite et à gauche. Non, en théorie, si tu fais que Z enfoncé, tu fais pas en piqué comme tu faisais. Et tu tournes comment, toi? Je tourne juste... En fait, je tourne pas en comme ça avec la souris. Ouh, putain. Je tourne avec Q et D pour juste faire une rotation, tu vois, entre guillemets, comme dans... Attends, on s'est fait tirer 3 missiles tout à l'heure, on s'est pas fait repérer. Maintenant, on s'est fait... Looping. Olé. Oh, wow. Oh, t'es mort. Comment t'es mort? On a pris un missile, mec. Non, moi on l'a pas pris. Si. Chez moi on l'a pris. Non, chez moi on l'a pas pris. D'accord. Mais attends, mais y a un guidage automatique de l'arme. Ouf. On l'a pris encore une fois chez moi. Hein. Non, chez moi on les prend pas. D'accord. Aïe. Quoi? Quoi? Mais j'ai rien touché, putain. Mais j'ai pas touché, hein. J'ai pas touché, oh. Sucez, moi j'en peux. Ennemi abattu. Vous savez ça? Avec l'uranium à bord, ça m'étonnerait qu'il prenne un. Mais t'arrives, brr, et ça passe, quoi. Le Vector, t'as vu ça ou quoi? Lui, il a le snipe, regarde. Ils auraient plutôt intérêt à déclencher des preuves au final. Ridicule. Mais c'est ridicule, fais attention en temps. Là, regarde Mars. Et regarde, tu vois la planète Mars? Hop, y'a plus planète Mars. Le Vector. Non, c'est quand on a entendu sucer moi dans le Discord, en fait, c'est ce qu'il a envoyé sur Messenger et du coup, on l'entendait cette fois. Trop bien. Cyril qui essaie de faire des efforts. Et merde, ils mettent la pression.
En fait, c'était cool la première fois qu'on a entendu ce dialogue-là, il y avait une tension, mais là qu'on est à la 25e fois. Il y a comme un truc qui m'énerve bizarrement dans le dialogue. Le notice, oui, cette fois c'est la bonne, rejet cela. Putain, j'ai été acheter un paquet de clopes au paqui. Le mec il m'a mis du Dettol pour le sol sur les mains. J'ai les mains, elles sont, j'ai les mains, on dirait un lépreux. Elles sont en train de se partir en lambeaux. Comment ça? C'est pas délicat. Ça change quoi? Griffin a pris la bonne décision. Je le soupçonne d'avoir mis de l'uranium dans son Dettol aussi. En fait, c'est pas un paquis, c'est un bérénien. Regarde l'onidate. C'était ça, le matin. Attention 47. Mais non. Je contacte l'équipe de décontamination pour qu'elle inspecte la cargaison. Vous autres, attendez-moi à l'intérieur. Quoi? Et en plus, on va devoir... Attendre à l'intérieur de où? À l'intérieur de 4 km? Je m'en fous, j'y vais. Mais non, attends! Je vais mettre un doigt dans son cul, je vais touiller, j'en ai rien à foutre. On peut pas sauter? J'ai envie de mourir. Yes, j'ai réussi. Ça passe pas par là où je suis passé. Non! Thierry! Regardez-moi ces abrutis. C'est la mission, elle nous a mis comme ça dans cet état-là. Kev, mets-nous un doigt dans le cul et tout. Et voilà. Comme neuf. Allô? Allô, re? Mais vraiment? Attendez, vraiment, là, j'ai eu une micro-coupure de courant. Même mon réveil n'a pas eu le temps de s'éteindre. Juste le PC, pouf, ça a redémarré tout de suite. Même pas une coupure, tu vois, où je dois réappuyer pour le lancer, il s'est redémarré tout seul, tout de suite. Tout de suite, tout de suite, monsieur. Parce que, tu vois, avant mon cul, je lavais avec l'eau, maintenant c'est avec la Javel. Le retard du supermarché. Putain, non, quoi. Oh là là. Attendez, là là là, bougez pas, j'arrive. C'est quoi ça? Ils sont trois au même endroit. Je vais me faire pas un gars, je me retourne, il y a trois gars qui me regardent de la même fenêtre. Je vais me faire renverser par une voiture sans aucun état d'âme. Le mec s'arrête même pas pour faire un constat. Quel enculé, je déteste la Bolivie, bordel de merde. Toujours sur mon rocher, les jambes écartées. Ah, oh, touillez-moi dans le cul. Mets tout. Oh putain. T'es sorti de la voiture, t'étais sur le rocher. Mais non, c'est des rumeurs. Donc on est repéré là en fait. Et le petit soignait la moto.